Salut à tous, c'est Blacky Galéfer. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo de jeu. Donc, nous sommes sur Battlefield Playcat 3, un jeu sur internet gratuit. Donc, nous sommes à la classe sniper, comme ça peut se voir, avec un M95 camouflage désert, une lunette avec un camouflage désert, un scatter gun, donc un double shotgun. On va se mettre en position pour défendre. On me tire dessus. On va se viser la tête. Comme je disais, c'était un jeu gratuit. Il y a possibilité de payer pour aller un peu plus vite, ce qui peut être très utile si on n'est pas trop patient. Donc pour l'instant, je fais du 89 de dégâts quand je tire dans le corps. Tais-toi, s'il te plaît. La balle est redescend. Quand elle redescend, ça rajoute un peu de difficulté. Mais bon, pas pour moi, j'ai l'habitude. Donc voilà, il y a une tête de mort comme vous pouvez constater dessus. C'est pour ça que j'ai pris ce camouflage, il est plutôt pas mal. Il est même excellent. On commence pas trop mal, 2-0. Tout au long de cette partie, je vais essayer de commenter un maximum. Ce qui est pas trop mon truc. C'est pas trop mon truc de parler en même temps de jouer. Je vais quand même essayer. Donc là, il y a quand même des campeurs en général. Ici, nous sommes sur la map, bien sûr, Sharky Rue. Bien sûr, si j'ai oublié de dire ça. Sharky Rue, une map reprise de Battlefield 3-4, il me semble. Elle est assez grande. Elle n'est pas exactement pareille. En général, les parties peuvent durer au maximum, je crois que c'est 40 minutes. Oh, coucou toi. Voilà, on a juste. Comme vous pouvez voir, il a assez bonne portée. Il y a des fusils de précision qui ont moins bonne portée. Il y a une frappe de mortier donc quoi. Là, ah, il y a 69. Là, on me dit quel est mon viseur, je ne réponds pas. J'ai beaucoup de chance, mon petit gars. Alors, vaut mieux viser la tête. Parce que sinon, bien sûr, ils ont le temps de se retourner. En général, c'est mon truc, la tête. Surtout au M95. J'ai l'impression assez bien. Headshot. Voilà, c'est assez rapide comme disait. Ah, M98B, je l'ai aussi. C'est pas mal. Oh bah GNG aussi, bah tiens, il s'est mis bien lui. Donc alors, où est-ce que vous cachez? Où ça, il y a un sniper? Ok, AB. Touché, et voilà. Donc niveau rapidité de visée, la précision est pas trop terrible. Le genre lui-même n'est pas mauvais. Là, il a les pieds qui traversent un peu. Le jeu en lui-même, vraiment, il est plutôt pas mal. Si vous n'avez pas trop envie de dépenser de l'argent dans des jeux de guerre, il se télécharge en une petite heure s'il n'y a pas trop de problèmes. Il prend pas de place. Il y a une grande possibilité d'avoir plusieurs armes, surtout que les armes sont mises à jour, je sais pas quand nouveau Battlefield sort. Donc, chaque fois que un Battlefield sort, ils essayent de faire des mises à jour map. Oh! Pourquoi je t'ai raté? Ouais, j'y faisais beaucoup trop. Oui, là je crois qu'il y a eu un petit bug de tir parce que j'ai fait un move sur le côté, au final ça a bien tiré dessus mais c'était pas sur lui.
Je m'ajuste, continue, continue. Tais-toi. Excusez-moi. 7-0, on campe. Parce que là, c'est le début, c'est la première partie de la map. Il faut camper, on peut pas trop y aller à l'arrache. Ah, il a un M94 Arbacan. C'est plutôt violent comme arme. Voilà, comme on l'entend, c'est deux coups par deux coups, des rafales de deux. J'aurais pu tirer là, je l'aurais eu. Je sais pas ce que j'ai fait. Ah, il se met à sprinter. Par contre, on va vraiment être en problème de balles. Vise-moi, vise-moi. L'arbacane me tire dessus. Il a scattergun aussi. Ah bah, c'est pas un headshot. On va essayer de faire notre mieux. Regarde, on me tire dessus, ça fait mal, ça fait mal. Mais c'est pas grave. Voilà, Arbacan, on est mort pour la première fois. Oui, donc c'est un compte déjà avancé pour le nom, désolé. J'ai pas pu créer de nouveaux comptes, c'est beaucoup trop long. En moyenne, pour avancer un compte niveau, on va dire, allez, niveau 18, il faut un an. Si on joue pas trop, mais quand même un peu, donc quand même des petits... Enfin, c'est un peu dommage, on va dire, d'essayer de... C'est un peu dommage de recommencer alors qu'on est déjà niveau 23 quand même. Donc on essaye de faire de notre niveau pour l'instant. Franchement, je réfléchis à créer un nouveau compte. Ce serait sans doute un peu moins intéressant pour vous parce qu'il n'y aura pas de ton fusil de précision ou même d'assaut. Oui, donc les classes, c'est... assaut, ingénieur, médecin, et il y a bien sûr un fusil d'un sniper. Quoi. Là, on est plutôt pas mal. C'est pas fini. What? J'ai arrêté de viser. Qu'on arrête de viser, ça peut annuler la balle. Freeze, désolé, à chaque fois qu'il y a des frappes de mortier, des freezes. On va plus aider. Merci, médecin. Donc voilà, le médecin a la possibilité de réanimer, ce qui est normal. L'ingénieur répare et a les lance-roquettes. L'assaut lui redonne de la vie, c'est pas comme dans Battlefield. Non! L'assaut redonne des munitions, excusez-moi. C'est pas comme dans... si, c'est comme dans Battlefield, mais qu'est-ce que je veux dire? C'est les armes. Au niveau des armes, lui, il a pas les grosses armes lourdes, il a plutôt les armes légères médecin. Bon, toi, tu m'énerves. Fatigue légèrement, excusez-moi, mais voilà. Ouais, il y a des petits moments où les balles, ça va peut-être les mettre de moi. Ah, mais arrête de bouger! Ranime, ranime, c'est bon. Comme ça, si je meurs. Comme ça, si j'ai besoin de balles. Si je meurs, qui me ranime, je reprendrai mes balles. Donc il y a possibilité de faire 2 kills d'affilée en headshot avec ce fusil de précision. Si la balle et s'il y a un petit bug, je vais par là. S'il y a un petit bug, on va dire, si vous visez par exemple l'oreille et que l'autre derrière, c'est dans sa tête, ça compte en headshot. Ça compte en double headshot en fait. Bon là on est en train de perdre. C'est un peu tout pour le tout.
Bah oui, c'est évident. On a tenté le coup d'infiltration. Le pauvre se faire troller. Amaury hack, voilà. Ah oui, donc j'ai pas parlé des hacks, bien sûr. Alors sur ce jeu, niveau hacker, vous pourrez pas trouver plus. J'en connais un qui... que je croise très souvent sur certains jeux, c'est la fin de la partie, que je croise dans certains serveurs, même quasiment tous, il alterne en fait, et c'est pas trop marrant de jouer avec lui, puisque, comment vous dire que les aimbots qu'il a, sont plutôt très intéressants pour lui, pas pour nous. Ça ajuste à la distance tout, donc du coup on fait un pas, on se prend deux balles de shot, voire même one shot, c'est pas du tout marrant. Vous spawnez, vous crevez, c'est pas, voilà, c'est pas drôle du tout. Donc niveau hacker, ça, il y en a plein. J'en connais un qui fait ça, que je croise très souvent. Après il y a... Enfin, je vais pas trop non plus, je vais pas non plus dire son pseudo parce que ce serait lui faire de la pub et c'est pas du tout le but de faire de la pub, sachant que des avantages tout. Lui, par exemple, vous fait légèrement changer d'humeur. Il faut être très patient, on empêche au sniper, c'est pas trop. Là, la balle transperce vite. Ah, c'est pas celui-là où ça transperce vite. On va tenter un petit truc. Faut pas qu'il me lève. Là, il était là en fait. Qu'est-ce qui m'a tué? Ah! Ah! Combat me dit 2-0. Non, c'est peut-être pas. Donc là, c'est censé être un serveur protégé, mais ils ont des... armes pas. Il est armé. Donc il y a certains qui... Oh punaise, qu'il a eu avant. J'avais vu le méthanoscope. Donc là, j'ai pas l'impression qu'il y en a, mais c'est vrai qu'il y en a la plupart du temps qui cherchent pas trop à l'intérêt du jeu, on va dire. Il y en a. Bon, après, voilà, c'est vrai que c'est. Ils sont pas non plus 100 000, ils sont beaucoup à hacker, mais c'est pas comme si. Voilà, il faut juste tomber sur la bonne partie. Ce qui n'est pas facile des fois, ça c'est vrai. Regardez les faibles niveaux avec des jolies armes parce que. Voilà, ah bah regardez. On a peut-être notre premier hacker, M60. S'il hack vraiment, ben. On va vraiment. Je vais arrêter la vidéo. Parce que c'est pas du tout marrant de jouer face à des hackers. Je pourrais vous laisser une petite partie de la vidéo pour regarder, mais voilà, regardez, là la partie elle est pleine. S'il y en a un qui hack, vous allez vite voir mon score, ce sera plus la même. Ce sera plus du tout la même. Voilà. Ça fait mal. Alors l'Elsat, voilà, comme vous voyez, ça c'est un médecin et ça c'est plutôt une arme à munitions. C'est vrai que niveau arme font plutôt mal. M95 n'est pas le. On va dire c'est le meilleur. L'un des meilleurs. Parce que il y en a une grande majorité qui sont égaux. Excuse-moi.
détruit des châteaux. Voilà, il y a technique pour éviter les hackers. Si vous voulez savoir s'il y a comme hack, parce qu'il y en a, il y a deux types de hack. Il y a old school hack, il y a Winjet. Ça c'est les deux seuls que je connais pour l'instant. Winject, ben, il anticipe pas les mouvements, donc vous pouvez savoir si c'est du Winject ou pas, parce que avec Winject, vous avez juste à faire ça et les balles vous passeront au dessus. Tandis qu'avec Old School Hack, vous ne pourrez pas passer à travers les balles. Ça anticipe beaucoup trop les mouvements. Ça fait en sorte de tout. Donc, ça sert à rien d'essayer de fuir en fait. Enfin, même affronter l'ennemi, ça sert à rien du tout avec Old School Hack. Et encore, il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'on va essayer de finir ce petit, cette petite partie, puis je passerai à la fin de cette vidéo, depuis cette première vidéo. J'aimerais revenir un peu sur ce qui a été dit sur la présentation, si vous l'avez vu. Les niveaux vidéo, en fait, je pourrais sûrement faire le mardi, mercredi, jeudi. C'est peut-être un peu plus... pour essayer d'augmenter un peu le nombre de vidéos. C'est vrai que je pourrais pas non plus être beaucoup trop présent. Ça, c'est vrai que avec l'emploi du temps, c'est pas facile. Le jeudi, je pourrais à coup sûr, parce que... pour vous dire, je finis à midi. Je finis à midi. Vas-y, mon copain, finis-le. Allez, allez, allez. Voilà. Le jeudi je finis, donc c'est plutôt tranquille. Oula, il a fini là. C'est vrai que pour les vidéos, j'essaierai d'être présent, d'en faire le plus possible. Même si ça va pas être facile, j'essaierai. Donc désolé en tout cas si ça lag au niveau qualité de l'image, je sais pas si ça convient. Parce que enfin, comme j'ai dit, j'ai pas non plus un PC de compète. C'est plutôt normalement un PC de bureau. Niveau PC gamer, faudrait voir dans le temps si je pourrais en acquérir un, mais. C'est vrai que là, c'est pas trop ça. C'est pas trop... Oula, il était dingue. C'est vrai que c'est pas trop ça. Alors, qu'est-ce qu'on va tenter de faire? Où sont-ils déjà? Tu me gâches la vue. Oh, je sais ce que je fais. Déjà, on va régénérer. J'ai utilisé un grand truc de vie pour rien du tout. Voilà. Parce que j'ai eu un. Oui, il y a des points d'entraînement. Je vais pas parler des points d'entraînement sur le P4F. Donc, niveau points d'entraînement, ben. Ça vous aide, par exemple, là, je cours plus vite. En vrai, vous courez pas vite comme ça. J'ai 110 de vie aussi parce que j'ai amélioré point de vie maximum. Enfin, maximal. Ça rajoute 5 points de vie. Vous dites que c'est rien, mais quand vous regardez et que vous voyez qu'il vous reste un de vie, vous dites que si il me reste un de vie, j'ai eu le temps de me barrer. Si j'avais eu 100 de vie tout pile, je serais pas allé très loin. Donc on pouvait améliorer deux fois, c'est pour ça qu'on peut avoir 110. Ça paraît vraiment rien du tout, mais moi je me disais non, ça sert à rien de jouer avec. Et puis je me suis vraiment lancé dedans, et puis voilà. J'ai pas regretté, ça sauve la vie. Après, c'est vrai que c'est pas non plus trop grave de mourir. 8 secondes pour respawn, c'est rien du tout. Si vous avez envie de faire des bonnes affilées et d'avoir le temps d'appuyer sur la touche de soin,
vous avez le temps. Niveau grenade aussi, ça c'est un point d'entraînement. Et ah, c'est devant. Je sais pas combien de grenades, je vais regarder tout de suite parce que j'utilise pas. 1, 2, j'ai 2 grenades. Les grenades elles font pas mal de dégâts. Quand c'est dessus, ben ça tue. C'est ça qui est bien fait. Il n'y a que en fait le fusil de précision. Pas vraiment bien fait. Parce que il one shot pas. Ce serait vraiment trop énervant de se faire one-shotter au bout de la map, surtout au niveau campeur, il y en a. Faudrait peut-être plutôt essayer de quand même d'essayer d'augmenter un peu les dégâts des fusils de précision sur certains fusils de précision qui coûtent quand même très cher. Mais c'est vrai que après ça gagne. Pas de chasse ou plutôt quoi. C'est vrai que après oui. Faudrait on s'habitue à tirer dans la tête. Là, pour faire des shots comme ça, faut pas. Oh tu bouges pas. Faut pas jouer une semaine. C'est sûr que voilà. Et puis de toute façon au début c'est un fusil de précision auquel vous allez rien voir du tout. C'est vraiment. Vous avez une portée, la vue là, ça se zoome trop même. Là moi j'ai une lunette qui me permet de zoomer un peu plus. Et ben c'est pas grave. Mais au début vous n'avez pas le M95, vous avez un SV98 qui n'est pas trop mal. C'est vrai qu'il est pas trop mal. J'arrive plutôt bien à jouer avec. Mais pas avec sa lunette de base. Sa lunette de base, c'est vraiment compliqué. Ça zoom fois je ne sais pas combien. Je crois que c'est x2 ou x4. C'est rien du tout. Là, je peux zoomer. Je ne sais plus à combien de temps je vois. Ah, coucou. Donc là, on est plutôt bien posé. Et à niveau distance, on peut. C'est plutôt bien, enfin je trouve. Après, c'est vrai que je sais plus si c'est en baissant les graphismes qu'on voit plus loin ou je ne sais plus. Là, j'ai les graphismes à fond, mais j'ai toujours pas cherché le. Enfin, j'ai toujours pas chargé le skin de mes alliés, ça c'est bizarre. Oui, il me semble avoir un skin. Oui, donc là, il y a que moi pour l'instant qu'il y a, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas chargé d'ailleurs. Ça c'est bizarre. C'est parti. Allez, quasiment plein, ça va être pour ça. Pouvoir gérer le serveur et oh, je ne sais pas. C'est énorme petit gars, bah oui je vise entre mes alliés, entre tous mes alliés. Donc là vous n'aurez pas eu les meilleurs enchaînements parce que j'avoue que c'était pas trop terrible à niveau enchaînement. J'ai fait des enchaînements beaucoup mieux où j'attaquais, je restais pas derrière. Là j'essaie vraiment, je vais essayer de présenter. C'est pas facile de tout gérer en même temps, c'est un début pour moi. C'est avant je faisais plutôt musique, donc là je me lance vraiment dans le jeu parce que je joue mais voilà, on voit pas trop comment je joue. Là maintenant voilà, vous allez pouvoir voir un peu. Donc ben on va s'arrêter là, je vais peut-être vous montrer d'abord mon inventaire avant de laisser. Donc pour quitter là. Donc là on était. Vous n'aurez pas vu aussi toute la map, ça c'est bien dommage. Mais au moins on va dire c'est déjà ça pour l'instant. Donc voilà. Donc ça ce sont tous mes fusils principaux, enfin de ma classe sniper. Donc il y a l'M82 qui est l'un des derniers fusils de précision. Non, bon, en regardant la boutique, voilà, il n'y a plus fusils de précision parce que je les ai tous. Donc le JNG, l'M8, l'SV c'est celui que vous avez. Oui, donc ça c'est possibilité d'attachement. Donc, niveau standard,
ne disent pas combien ça zoome. Donc ça c'est le FV98 standard que vous ferez au début. Donc il n'y a pas de crosse, il n'y a pas de chargeur, il n'y a pas de canon. Moi je lui ai mis voilà ma lunette balistique désert qui est débloquée au niveau 23 mais qui est payée de mon côté. J'ai les SVUA qui tire en rafale, l'M24 qui n'a pas de camouflage de base, voilà qui est noir. Vous avez c'est tout ce qui est camouflage, l'SVD qui a pas de thème, qui est voilà normalement comme ça sans la lunette, qui tire coup par coup comme dans quasiment tous les jeux. L'M95, celui que j'ai normalement, vous l'avez en noir. Il y a le V16 Vinterez qui tire en rafale, qui est plutôt violent, dommage qu'il n'a pas assez de balles, que vous avez normalement comme ça. L'M110 tire en coup par coup comme le SVD. C'est un fusil de précision qu'on ne peut pas acheter avec l'argent du jeu, c'est vraiment qu'avec l'argent de la vraie vie, à moins que ça ait changé, mais moi quand je l'ai acheté en tout cas il n'était pas achetable par l'argent du jeu. Après ben L96 qui a une portée je trouve faible pour ce que c'est, mais qui recharge avec la culasse vraiment rapidement, même pour pas dire très rapidement. Après le goal est un peu près pareil, il a une vitesse à la culasse on va dire moyenne, une portée immense, donc là dessus c'est vrai que voilà, et ça c'est encore plus rapide, ça on a l'impression que c'est un mélange de M95 et de de Gaulle, un mélange un peu croisé, un niveau cul assez rapide. Donc voilà, après niveau fusil à pompe et de pistolet. Bon, j'ai pas de non plus Desert Eagle. Il faudrait que j'ai couteau, corps à corps, voilà, couteau. Pistolet. Voilà, vous avez une grande possibilité d'armes, comme vous faites vos classes comme vous voulez. Les points d'entraînement. Voilà, j'ai pas mis beaucoup dans tout ça, donc voilà, j'ai la vie, je suis en infiltration, je suis quasiment indétectable par les radars surveillance satellite. Donc voilà, je marche plus vite, je cours plus vite, j'ai protection contre les clés morts, donc c'est à dire que je marche sur une clé mort, ça fait un ting, mais elle explose pas tout de suite, elle explose je crois 4-5 secondes après. Si vous voulez faire une attaque et un assaut, vaut mieux que vous passez devant quand vous avez ça, puisque s'il y a des clés morts de sniper qui campent, vous voulez déclencher, vos alliés passent derrière, elles sont plus déclenchées, donc vous pouvez y aller, et là, vous faites du dégât. J'ai détection grenade, je peux relancer les grenades qu'on m'envoie dessus, et j'ai ultime riposte. Quand je meurs, je lâche une grenade. Ce qui est plutôt pas mal quand on en fait 3 d'affilée, quand il y en a qui campent et que vous faites une mission suicidaire, c'est pas mal du tout. Donc voilà, je fais vite faire un tout petit tour niveau assaut. Et puis, je pense que voilà, ce sera tout pour le moment. Alors, est-ce que ça peut me charger? Oui. Donc voilà, niveau armes. Fusil d'assaut, voilà, vous avez aussi une grande possibilité. J'ai le FAMAS, celui que je préfère. Voilà. Et ce sera dans une autre vidéo où je préciserai un peu mieux ce que j'ai. Et je vous montrerai aussi mon compte médic, mon compte ingénieur. Il faudrait que j'en crée un puisque du coup j'en ai pas. Donc voilà, c'était Black Eagle FR. Merci de regarder cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à aimer, à partager, c'est le début de la chaîne, plus vous partagerez, plus ça fera plaisir, ça coûte rien du tout de cliquer, merci et bonne journée.